Exercice de déplacement, exercice technique, les joueurs professionnels de Cugno se préparent à la reprise. Et comme chaque semaine, ils se réunissent pour pouvoir s'entraîner. Nous, on a la chance de pouvoir s'entraîner, les joueurs pro et semi-pro, et qu'on a la salle à disposition. Donc, en fait, on essaye de s'entraîner 3-4 fois par semaine pour justement être prêt à la reprise. Si reprise, toutefois, il y a, parce qu'on est, dans l'attente, comme tout le monde, par rapport à une éventuelle reprise. Je travaille à côté, donc j'ai un temps partiel à Décathlon, donc ça me prend quand même 25 heures par semaine, donc j'essaye de m'entraîner tous mes temps libres, et en fonction de la disponibilité des partenaires. Donc combien ça représente de fois par semaine? Je dirais 3-4 fois au mieux. L'arrêt des tournois et du championnat a eu des conséquences sur le physique de certains joueurs. Perte du poids. Non, c'est vrai, perdre du poids, parce que j'ai pris quand même quelques kilos, j'aimerais m'affûter un peu pour être plus fit, comme on dit. Je me sens bien parce que grâce à Admir, notamment qui est là, on arrive quand même à jouer régulièrement. La période de confinement précédente, on n'avait pas pu jouer, mais j'avais vraiment fait l'effort de faire du sport à la maison. Et puis après, je me sens bien parce que je continue à travailler, je suis actif en fait tout le temps, tous les jours. Actuellement en National 1, le club de Cugno-Villeneuve-Tolosane aura la chance d'accéder à la Pro B s'ils réussissent les playoffs en fin de saison.